Les résultats du vote sont les suivants. 37 pays en faveur, 3 contre et 3 abstentions. La résolution devant nous est encore un autre exemple d'une approche politisée et biaisée poussée par quelques pays face à la situation en Syrie. Le texte n'est pas équilibré. Il rejette toute la faute sur le gouvernement syrien et ne propose pas de signaux constructifs indispensables pour trouver une solution politique et diplomatique à la crise. Merci, Madame la Présidente. Pendant le débat urgent, la délégation chinoise avait déjà pris position sur le sujet. Maintenant, en écoutant les déclarations faites par la Fédération russe et Cuba, je veux dire que je partage leurs opinions et que je soutiens leurs déclarations.